Y'a mec, y'a mec. Ah ouais, je sais. Et salut tout le monde, donc on se retrouve sur H1Z1, armé, on essaie de se faire des 1 mec là. Il me tape, il me tape, il me tape. Vas-y, flingue 2, flingue 2. Il court trop vite. Putain, il est solide ce mec ou... Ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Donc on va essayer de boiter du joueur là. Alors s'il arrête de courir en zigzagant comme un connard. Alors, il y a pas grand monde sur le serveur et c'est vrai qu'on putain on a armé pour rien, donc là on pète un peu les plombs. Ouh putain. T'as utilisé combien de balles? 3, 2. Il me reste 7. Putain, le mec sans déconner, c'est de loin c'est un peu chaud. Hein. Oh putain, oh comment t'as fait me boiter mon gars. Ah, oh la balle elle m'a raflé la tête. Enfin le côté. Là il court vite hein. Il court vite, mais bon. On est chaud patate. Donc il me reste exactement 7 balles. Voilà. Donc on va rester là-dessus. On s'est foiré. Il tourne au camp. Il continue à courir d'ailleurs, je vois ce qu'il fait. Bon. Il court trop vite. Ah bon, je vais prendre ça. Bon, du coup là t'es juste derrière. Ouais, je te vois. Ok. Il y a un mec là-bas. Est-ce que c'est lui? Un zombie, non? Non, non, okay. Non, c'est pas un zombie, non. Je te vois pas en fait. Je suis au milieu de la route là, et toi? Il y a un mec derrière moi. Ça va? T'es où toi? Je suis en train d'arriver au camp. Mais moi je suis. Il y a un mec devant là, qui... le mec il revient. Le gars revient, il est en face là. Si j'arrête un peu de bouger là, j'essaie de choper lui là. Si j'arrête pas de tourner autour de moi, ça risque d'être compliqué de l'avoir. Ah c'est bon, mais putain, 3-4 balles pour le tuer. Donc on a beau... Voilà, c'est bon, on est bien. Qui c'est le papa ici? Bon, c'est un mec qui a usé 15 balles pour rien, pour deux mecs, mais bon, c'est pas grave. C'est un peu chaud quand un mec tourne autour de vous, franchement, de l'avoir, c'est la mort. On va voir ce qu'ils avaient sur eux, à mon avis, rien. T'as vu, il m'attaque moi, ce chacal. Voilà. Donc, combien il me reste-t-il de balles? Une balle. Donc voilà, ça fait que j'ai utilisé 6 balles, même un peu plus, pour choper deux mecs. Leur sac, s'ils ont disparu, je vais avoir un peu les boules. Et je crois que c'est le cas. T'as loot quelque chose toi ou nada? Ah bah y'a un petit bug là sur le serveur, des moments les trucs passent sous le sol et ça c'est vrai que ça devient un peu merdant. Je crois enfin... que quand les joueurs reviennent sur eux et lootent. Ah il avait peut-être rien sur lui, mais l'autre gars franchement il me paraissait plus équipé, genre un sac et tout j'ai l'impression. Le celui qui est revenu qu'on a on le suivait tout à l'heure là. Bon j'ai un peu foulé comme un débutant, mais le gars il mettait des patates et c'est vrai que c'est un peu chaud de viser de près comme ça. Bon, pour les balles, on arrive à en choper sur un zombie, donc il faut boiter du zombie, très certainement, pour en avoir. Voilà. Et là, on a des balles de snipe. Ça nous donne envie de tester un snipe si on se fait boiter avant, donc voilà. Si on chope un snipe, on vous fera une vidéo là-dessus, avec Inoxys. C'est toi qui es à l'autre camp, là? Ouais, je suis en train de chercher. D'accord, ça, je te vois. Ça va. Bon. Bon, bon, bon. Du coup il me reste bien qu'une balle, hein. Ouais. Moi aussi chopé un briquet, j'ai jamais chopé de briquet de ma vie. Est-ce que tu veux que je te passe le flingue? Genre parce que t'as pas tiré. Et il te reste des balles toi ou pas du tout? Ouais j'en ai pas, je passe les balles. Bon. Si tu peux te le filer, t'auras 2 balles. Mais tu peux toujours tuer 2 mecs si tu mets des têtes. Alors attends, je te le passe. Le flingue... Tu veux pas les tuer?
Tu veux pas juste les balles? Non, non, vas-y, vas-y, tire un peu, c'est pas grave. On verra une troisième personne sur un flingue. Donc là, je te récupère ton AR-15, et c'est là qu'on chope des balles d'AR-15, je suis heureux. Alors là, il y a un truc, j'ai pas compris. Est-ce que l'AR-15, tu l'as? Il est par terre. Ouais, mais ah voilà, j'avais un problème en fait, il était disponible, je le voyais plus. Ok. Donc, je retrouve avec l'arc à l'ancienne. Il y a un mec là-bas qui arrive. Ouais. Il est décidé à frapper. Oh, il met des patates, il met des patates, je suis 8% de PV. 8% de PV. Ouh, tu l'as eu ou quoi? 8% de PV. Putain, pourtant je me suis soigné il y a 20 secondes. Peut-être pas en fait. Donc 8% de PV, c'est pas du tout safe. Surtout qu'il y a deux mecs. Ah non, il y a un zombie et un mec. Bon, je me casse. Wow, c'est pas bon. Bon, mais plus de balles. Ah si. Quand il va me taper avant. Attends, moi j'essaie de voir si je peux pas me soigner là en 20 secondes. Oh, j'ai le zombie, mais pas lui. Il va, je vais mourir. Tu vas mourir? Ouais, ouais. Ne pars vite, hein. T'as combien de PV? Ah, t'as le zombie au cul, je te vois. Moi je me bande vite fait là. Hop. Pour pouvoir me battre. D'ailleurs, se bander deux fois d'affilée, ça met pas deux fois plus. Hein. Il faut attendre que le premier bandage ait fait effet. Sinon, ça serait trop facile. Enfin, on foulerait bandage. C'est à savoir ça. Moi je te cours après. Hein. Je t'ai vu là partir. J'essaie de les avoir à l'arc, mais t'es un peu loin là. Je sais pas où t'es. Bah, essaye de tuer le zombie au moins. Le mec, je l'ai eu. Oh, il m'a boité. Il m'a boité. Putain, il tape avec quoi? Il avait un bâton en acier quoi? Bon, bon, ça fait boîte. Enfin, je me suis fait boîte. Je fais boîte. C'est le truc avec un mec avec un bâton. Donc voilà, quand on est armé, ça veut pas dire qu'on est les rois. Bon, sinon, tous les cas, on avait plus de, non plus la masse de balles et tout. C'était pas la folie. Est-ce que j'ai spawn loin? Bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Puis on va essayer de récupérer un peu un stuff du même style. Surtout une arme, parce que c'est vrai qu'avoir des balles, c'est cool. Des balles sans armes, c'est nul. Et des armes sans balles, c'est nul aussi. Donc, si un jour on arrive à bien avoir les deux en quantité, on pourra bien rigoler. Voilà. Bon, on a quand même boité 3 mecs sur la vidéo, c'était pas non plus dégueu. On vous laisse là-dessus. Ciao tout le monde.